Salut à tous, donc aujourd'hui je vais te montrer un petit tuto sérum, je vais te montrer comment faire une bass style res and this is what it sounds like. Ok, donc c'est parti, on va ouvrir sérum. Si tu me demandes où trouver mon skin, c'est le 24 carats, tu mets sérum skin gold skin 24 carats. C'est un mec qui s'appelle Tenatan, je crois qu'il a, ouais c'est ça, Tenatan qui l'a créé, et c'est un abonné qui me l'a passé gentiment, donc c'est super cool de sa part. Donc cette base elle est assez mainstream, il y a beaucoup de producteurs qui l'utilisent, t'as beaucoup de tutos sérum aussi, donc je vais pas réinventer la roue, hein, je te le dis sincèrement. C'est assez simple au niveau du sound design, par contre au mixage après on peut faire 2-3 trucs sympas, et aussi au niveau des automations, là tu peux vraiment faire des trucs assez cool. Donc c'est parti, oscillateur 1, on met octave moins 1. Unisson 5. On va détuner un petit peu tout ça à 0.12. Et le blend pareil à 65. On va aller dans le LFO 1. On va bouger le petit point là. Tu vois qu'ici on le ramène sur la gauche. Et on va faire une petite courbe comme ça. Je vais te montrer tout de suite pourquoi. Parce que du coup tu prends ton LFO 1, tu l'insères dans le cutoff ici. Tu actives ton filtre. Et voilà, déjà on a la petite baisse que l'on veut. On va un petit peu baisser le LFO. Voilà, je rebaisse un petit peu ici. Et voilà, on a la baisse. La petite baisse est un petit peu plucky quoi. Après tu vas aller sur ce bouton là et tu vas te mettre en 1/8. Voilà, pour avoir le tout. Encore un petit peu baissé même ici, hop, et là pareil, un petit peu monté. Voilà, donc là je suis à peu près, si tu veux savoir, 943 Hz sur le cutoff. Ok, on va aller dans FX maintenant, distorsion, et tu mets le downsample. On va baisser un petit peu le drive. On va se mettre en 20. On va monter un petit peu le volume de ce plug là ici. Genre 90, voilà. Ça c'est bien fort. On va mettre une reverb. On va baisser carrément le mix de la reverb. Donc le bouton là qui est à droite. Voilà, c'est dans un gouffre. On va mettre 8. On va mettre un petit EQ. Un petit peu de bass sur le gain ici, et on va rajouter un petit peu d'aigu, vraiment a little bit. Voilà, on est bon pour la bass. Maintenant mettre tout ça dans un insert, donc genre par exemple insert 20 où il n'y a rien, et je vais te montrer un petit peu le mixage. Donc je vais mettre un EQ. Couper vraiment les basses fréquences. Voilà, c'est un petit peu plus net. Et ce que tu peux faire pour vraiment avoir encore plus une bass crunchy, tu peux télécharger Camel Crusher sur Splice. C'est un plugin qui est gratuit. Bon, là, c'est trop. Mais par exemple, on va mettre le British Clean au niveau du patch. On va baisser le tube ici, on va mettre un petit peu de compression. Donc là c'est trop. Et tu vois un petit peu. Voilà, histoire que ça soit vraiment comme ils disent les Américains, gnarly, crunchy, je sais pas. Et là tu vois, ça fait une bonne bass. On va voir ce que ça donne. Ok, donc c'est pas mal. Je vais te montrer maintenant deux effets avec les automations que tu peux faire. Donc premièrement, tu peux créer ici, tu cliques sur ce bouton, tu sélectionnes, tu vas sur ton bouton là, tu fais clic droit et tu fais Create Automation Clip. Tu peux créer une automation de cutoff. Donc par exemple, donc là tu fais clic droit, copie value, on va garder la valeur de notre automation de base. Et par exemple, tu peux faire une petite montée en pression, tu vois, comme ceci. Je te montre. Hein. Donc là, c'est la base de base. Attends, je vais te montrer le bouton pour que tu comprennes bien.
Voilà, donc regarde le bouton qui est ici. En fait, on fait monter ce bouton-là. Tu vois, ça peut faire un truc sympa. Genre, ça va, la base va arriver. Voilà, et un autre effet que tu peux faire, c'est tout simplement jouer avec ce bouton-là, le rate, le LFO rate. Donc tu cliques dessus, clic droit, create automation clip. Et là, par exemple, je sais pas, tu peux vraiment... par exemple, je sais pas, tu fais une descente de bass au début. Ouais, ça peut être sympa. Ou alors une montée, peut-être, on va voir. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Par exemple, là, je sais pas, tu fais ça, ça. Je sais pas, tu joues avec... Tu la refais descendre. Ah, c'était pas mal le début. Genre par exemple, hein, c'est un exemple. Tu vois, tu peux jouer avec. Bon, ça c'est un peu Cradox. Voilà, tu vois, donc tu joues avec ton LFO rate. Voir ce que ça donne là. Ah, c'est sympa. Ok, donc voilà pour cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé. N'hésite pas à utiliser du coup cette base dans tes prods et aussi à la modifier un petit peu à ta sauce. C'est fait pour ça de toute façon. Si jamais tu veux avoir tous mes presets Serum, n'hésite pas à aller voir dans la description tous mes packs de samples, presets, etc. Tu retrouves sur le site newproducer.com. Et du coup, si jamais tu veux aller plus loin aussi, tu veux recevoir plein de vidéos privées, des tutos, etc. Je t'explique beaucoup plus de choses. N'hésite pas à t'inscrire à une heure de formation offerte. Et je t'offre aussi un mini pack offert. Enfin, n'hésite pas à lâcher ton like, à t'abonner à la chaîne. Et puis, en ce qui concerne le son, je sais qu'il y en a peut-être qui vont vouloir que je le sorte. Je pense que je vais le sortir, mais je vais faire un deuxième drop un petit peu plus punchy. Et aussi dans le style d'un artiste qui a percé aussi récemment. Donc voilà, à suivre, tu verras ça. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao. J'ai des cristaux et du liquide. J'ai une Birkin et une...